Je suis de retour sur la Lune. On va poser le bobble. Alors, on va voir, normalement, on ne doit plus manquer d'oxygène dans cette bulle. Je ne sais pas quelle est la taille de cette bulle. Est-ce qu'on va manquer peut-être d'énergie? Il faudra voir, surtout la nuit. Est-ce que je peux... Oh, c'est pas mal. Elle continue de s'étendre. Si elle peut aller au-dessus de la base. Elle arrive, elle arrive. Ça serait très bien, c'est-à-dire que je pourrais rester là. Ouais. Cool, la bubble. Voilà, là on dépense plus d'oxygène. Donc comme ça, je vais pouvoir poser la première ruche. Celle qui a besoin d'un bloc de mou, rock moon en dessous. Space et ça, j'espère que ça va aller au fait. Donc. Ah, ça va être la surprise, peut-être qu'elle va pas marcher. Elle va dire s'il fait trop froid, trop chaud, trop... Ah, j'ai oublié les fleurs. J'ai pris de la dirt, mais j'ai pas de fleurs. Mais quel crétin! Bon, c'est pas grave, on va poser l'autre. Sinon, ça va être pareil. Alors l'autre, il faut qu'elle soit sur un bloc de meteorite iron. On va la mettre là, ou là, tiens, pour l'instant. C'est provisoire. Ah, c'est bien, elle est dans la bulle, mais elle est grosse la bulle en fait. Oh, c'est super. Ah, c'est super. Et on va mettre dedans celle-là et celle-là. Sauf qu'elle va me dire, il n'y a pas de fleurs. Donc il me faut des fleurs. Il n'y a pas de fleurs sur la Lune, je n'ai jamais en trouvé nulle part. Ok, je suis. Ah, attends. 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 Il n'y a pas une fleur là-dedans? Ça, c'est une... Non, c'est pas une fleur. Ça, c'est quoi? C'est une espèce de champignon? C'est quoi, ce truc-là? Je sais pas s'il va voir ça comme une fleur. Non, c'est un champipi pour lui. Ok. Donc, il faut que je retourne sur Terre chercher une fleur. Non, mais c'est pas vrai. Ah, j'aime bien les allers-retours et les pertes de temps. Ah, ça! Ça, c'est une fleur. En tout cas, elles ont spawné grâce aux abeilles. Hein? Hein? Vois le meuleux. Me dis pas qu'il faut une abeille, il faut une fleur. Elle aime pas ces fleurs-là. C'est quelle mode, ça? C'est biome au plenty. Alors, il est fait spawner, mais walou, hein? Non. Ok, faut aller chercher. Non, celle-là, elle a l'air contente. Ah ouais, elle est contente. Celle-là aussi, si, ça marche, ça y est. Ah, sauvé par le gong. Bon, je vais m'amuser un petit peu avec la base. Je m'étais trompé, j'ai décalé d'un. Bon, je vais essayer de construire un peu. Il n'y a pas besoin de faire un grand truc, de toute façon. Ce petit machin me suffit largement. En tout cas, c'est bien pratique d'avoir la bibule. Ça, après, je vais le redescendre en dessous. Voilà. Je vais essayer d'aligner ça correctement, parce que là, c'est même pas au centre. Je me suis tout trompé. Mais c'est pas grave. Et on va faire ça mieux. Et puis, voilà, je vais prendre tout mon temps pour croiser ces abeilles, les analyser. De toute façon, en plus, elles ont l'air de durer assez longtemps. Ouais. Donc, ça va prendre un certain temps. Bonjour à toutes et à tous. C'était plus long que prévu. Bon retour sur GTNH. J'ai dû rentrer faire des batteries parce que la nuit sont tellement longues et ça bouffe un peu la bubble, même si elle est bien pratique. Donc du coup j'ai fait des batteries pour que ça dure plus longtemps pendant la nuit. Elles sont pas très chiantes à crafter, ça use beaucoup de lead. Parce qu'il faut les remplir, c'est presque un stack de lead par batterie. Énorme, mettre du lead liquide là-dedans. Voilà, alors j'ai déjà les moons. J'arrive pas à voir les iron machin là. Alors, c'est pas essentiel, mais c'est vrai que c'est pas mal pour certains trucs. Je sais plus trop à quoi ça sert d'autre. Je sais pas si on les mettra, mais comme je fais la collection, de toute façon. Non, il n'y a pas. Pourtant, il y a le bloc en dessous. Hein. Allez, t'y retourne. T'y retourne. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai une crise de migraine terrible, donc j'ai dû m'arrêter un peu. Je vais être en retard pour la vidéo une fois de plus. Mais j'ai obtenu les moons. Elles sont déjà reproduites.
On aura besoin d'en faire une autre plus tard pour faire Mars. Les météorites Chiron, je suis en train de leur faire une 5 drones pour les améliorer, pour que ça aille plus vite, etc., pour les reproduire aussi. Quoique les météorites Chiron, normalement, elles se croisent avec rien, si. Si, avec Mars pour faire les CRS. Ok. Bon, on verra. Ce n'est pas pour tout de suite, mais donc on va garder un stack de drones. J'ai obtenu les Skull King Queen. Je suis en train de les analyser pour avoir le gène. Et j'ai déjà le gène des Quicksilver. Ça, c'est très bien. Ça va me permettre d'avoir du mercure pour faire le traitement plus avancé des minerais, de certains minerais. Et puis, ça servira aussi pour Tomcraft. Ici, bah, justement, je suis en train de faire des larves de. Pour reproduire les Quicksilver. Je l'ai déjà là. Et puis le Meteoric Iron, surtout aussi d'abord. Et ensuite les Quicksilver. Et puis là, je suis en train d'analyser les Scaling Drones au fur et à mesure qu'ils tombent pour essayer d'obtenir le gène. En attendant, j'ai préparé, parce que je suis allé chercher. Non, je voulais pas enlever tout. Comment on fait pour tout prendre? Je voulais avoir ça sur moi. On va aller dans l'end. Parce que je suis prêt. En fait, j'ai trouvé le. On va garder ça. Non, les jambes. Où sont mes bottes? Elles sont là. Non! Oh là là! Ils ont fait le truc plus pratique, mais. C'est bon. On va les tuer, surtout qu'avec le météorique Iron, j'ai amélioré mon épée, qui maintenant, je sais plus combien, 16 coeurs, j'ai amélioré. Alors j'ai suivi, alors j'ai rien fait d'extravagant, j'ai suivi ce qu'il y avait sur le wiki. Et ma foi, elle est pas mal, hein. Il faut le mettre là pour avoir le résultat, avec les flèches que j'ai améliorées aussi. Là, j'ai 93 coeurs. Normalement, ça devrait être une exécution, le dragon. Donc on va aller tuer le dragon. Alors, c'était extrêmement loin. Oui, j'ai tout pris, c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Il n'y a pas de souffle de dragon, je crois, en 1.7, donc il n'y a pas besoin de prendre des bouteilles. Ce que je vais prendre, c'est les yeux d'Ender qui me restent. Voilà. Je crois que quand il y a Ender machin, il faut récupérer l'œuf avec une épée. Ben, je crois qu'on peut le faire soit avec cette épée-là, soit avec l'Ender, ça doit marcher. Donc il n'y a pas besoin d'une épée particulière. Et comme c'était très très loin, j'ai fait un truc de fou, parce que j'adore faire des trucs comme ça. C'est débile, hein. J'ai fait un immense couloir qui y va, parce que quand on regarde la map, c'était tout là-haut, tout 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 loin dans la neige et tout, j'ai crapahuté, c'est par là ou je sais plus où. Donc du coup, j'ai fait un grand couloir avec des dalles qui ne spawnent pas. Il y en a pour 3 km. Oui, je suis fou, mais j'aime bien. Puis comme ça, si on veut faire un truc loin, pour du nucléaire ou n'importe quoi, bah, on pourra y aller. En fait, à l'origine, je voulais faire un minecart. Et puis j'ai vu le prix des minecarts, je me suis dit, bon, on verra plus tard. C'est pour faire les rails, on les récupère dans les mines, mais les rails accélérés, rails détecteurs, etc., pour faire un truc qui accélère tout le long. Long, et puis vu le nombre qu'il me faut, ça va être très long et très cher. Donc pour l'instant, on y va à pied. Autre chose, j'ai quand même pris ma bouteille de vol créatif parce que ça va être quand même plus pratique pour abattre le dragon et surtout les tours. Au bout de ce long couloir, on tourne à gauche et on continue. Uncredible. Je suis fou d'avoir creusé un truc pareil. Mais ça va vite avec le marteau, hein. Je prends un peu de stone pour remplacer les trucs sur les murs pour que ce soit propre. Puis à la fin, j'ai remplacé avec de la cobble ciselée. Au bout de ce long, long couloir, j'aurais peut-être remplacé par de l'asphalte pour me marcher plus vite. Ce serait peut-être une autre alternative. Alors j'ai pété le spawner qui a pris un temps fou à casser. Et voilà. Nous avons complété notre portail sans tomber dans la lave. Ok. On va boire notre potion. Bon, une seule, ça suffit. Je vole ou je vole pas là? Non, je vole pas.
Je sais pas. Ça marche pas? Pourquoi elle marche pas? Ah, elle est no effect, celle-là. Oh, c'est pas pris la bonne. Celle-là, c'est celle qui marche pas. Celle qui marche, c'est celle à fly. Voilà. Oh, imbécile. Ce coup-ci, on y est. Alors. Ouais, là, je vole. Ok. Et nous y sommes. Tiens, on a déjà des minerais de draconium. Oh, on l'entend, lui. Il a déjà l'air pas content. Oh! Bon, allons-y. Ah oui, efficace. Oh! Oh là là, mais elles sont éloignées, les tours. C'est quoi ce délire? Boum. Fous-moi dessus pendant que ça explose. Ah bah ça va prendre du temps. Hein. Ah il en reste une. On y est presque. Encore une. Yeah! Ouais, c'est la fête du slip. Alors, tout est tombé. Faut tout récupérer maintenant. Ah bah, il en a détruit des trucs. Bon, maintenant on va prendre les ruches, récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Un jour, il faudra peut-être mettre un mineur là-dedans, je sais pas. Quoi qu'on va avoir du tankstat et tout ça par le endstone, on va faire avec les graines. Puis après avec les abeilles. Et il faudrait qu'on trouve des ruches d'oblivion. Ça y est, j'ai tout. Alors, normalement, c'est avec une épée. Bon, avec celle-là. Je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu. Merde. Non. Ah, j'ai. Ah, on va y arriver. Avec celle-là, peut-être. Bon, il se moque. Clic droit. Non. Ni clic droit, ni clic gauche. Shift. Ah, shift. C'est shift, clic gauche. Je savais bien qu'il y avait un truc, ça m'en souvenait vaguement. Alors, j'ai envie de mettre ça. Et d'aller relever les ruches. Je vais prendre ça. Et il doit y avoir des ruches un peu partout. Non. Il devrait y en avoir. Ici. Alors c'était quoi ça? Ender. Elle est pristine au moins. Mais je les aime pas parce qu'elles piquent et elles font mal. Le wiki dit qu'on les trouve en dessous. Ouais, je vois pas d'Oblivion Hive du tout. Ça me fait un peu peur d'être en dessous. Si mon fly s'arrête... Là, peut-être. Non, c'est de l'obsidienne. Il y a un truc rigolo, là. Bon, je n'en ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un parmi vous sait comment je vais faire pour trouver des Oblivion Hive, bah dites-moi, parce que j'ai creusé un tunnel de part en part, vers le bas. Rien trouvé, il n'y a rien qui est accroché en dessous. Donc, je ne sais pas. Un mystère. En tout cas, on a ramené plein de sang de dragon. Ça, on va le ranger, j'ai plus de place. On a ramené l'œuf, évidemment. Et puis le cœur qui permet d'en faire d'autres. On va mettre ça à fondre. Je sais pas, il va pas trouver. Si, il va trouver.
Non, ça, il trouvera pas, évidemment. Non, ça, c'est ça que j'ai gardé pour les graines. Ça, on va le ranger quelque part en attendant de s'occuper de draconium. De draconique, je veux dire. Hot draconium ingot. Ouais, mais c'est pas pour tout de suite. Bah, c'est parfait, tout ça. On avance quand même. On va préparer tout de suite les emplacements pour les graines d'end. Flûte, il m'a pris ma terre. Ça sera prêt. Je ferai ça hors caméra, évidemment. Et voilà, c'est prêt à être croisé. Je viens de voir qu'en fait, c'est bizarre, ça n'a pas validé le dragon essence. C'est bizarre. Ah non, c'est pour en acheter. Ok, on va voir. Ça s'appelle en fait Infernal Hive. Moi, je cherchais Oblivion Hive. Il semblerait que c'est à côté de mines de quartz et que c'est entouré de quartz. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas vus. J'y retournerai tranquille. Faire ça en regardant un feuilleton. Donc, du coup, maintenant... non. On va y arriver. On peut finir ça. Il restait ça à faire, des meilleurs filtres, etc. Et ça, ça va me servir beaucoup. Donc, j'ai envie de faire tout ça. Alors, les bigs, il faut faire quoi? Il faut être transformé en enderstone, et après, on fera de l'endersteel. Ok. Donc, ça, c'est l'endersteel. Et bon, on va fondre un petit peu de ça. J'en ai miné un petit peu. Oh zut, ça allait directement là-dedans, dis donc. Non? Bah. Ah, ils sont là. Des fois, ça apparaît pas. Je sais pas pourquoi. Dans l'inventaire. Ça, c'est plus la nouvelle version. Hop. Allez, roule. Ah oui, mais non, ils font quand même du tungstène. Oh! C'est pas facile, l'histoire, là. Je suis bloqué un peu. Donc, on va avoir du tungstate. Si on prend ça et qu'on le centrifuge, on obtiendra du tungstate et de l'hélium. Et si ça, on l'autocla... Non. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ça? Tungstate. Non, quantum force, ça m'étonnerait qu'on puisse crafter ça. Tungstate, sodium, avec de l'eau. Non, ça fait du lithium. Ah, ça fait du sodium tungstate. Et le sodium tungstate avec du calcium chloride, ça nous fera du... Oh la vache. Ça nous fera du chilite. Et le chilite avec l'hydroxy, d'accord, le rockin, ça nous fait tungstite. Mais non, mais on sort jamais, on fait jamais de tungstène avec ça. Tungstène trioxyde et tungstène. Mon Dieu! Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis tout ça, c'est en 2000. Et on arrive au 2000, on arrive au EV. Et je suis bien embêté parce que habituellement, je fais des... Je mets un générateur par machine, mais ça, ça va jusqu'au HV parce qu'on est encore à 85% d'efficacité. Ça diminue à chaque fois. 90, 95, 85. Mais quand on arrive au HV, c'est plus que 60. Donc, c'est plus du tout rentable. Moralité. Ben, je sais plus, je vais réfléchir. Je ne sais pas trop par où prendre le truc. Je crois qu'il faudrait commencer par traiter le pétrole, en fait. Pour faire du octane. J'ai regardé un peu tout ce qu'il fait. Il en faut beaucoup, des trucs. Hein. Et me faire des turbines. Faire tourner l'usine sur elle. Ça va être un gros boulot, ça. Mais il faut le faire, ça permettra d'avoir un peu d'énergie et avec l'octane supplémentaire. Je vais essayer de faire tourner l'usine sur elle-même, tout en 2000. Ça peut être marrant. C'est-à-dire qu'on crafterait que très peu de turbines 2000 au départ pour juste lancer le truc. Quoique je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire sans tungstène. Hein. Du coup, c'est un truc qui se prend la queue. Il faut que je vérifie mon histoire et voir dans quel sens je peux prendre la chose. Bon, c'est décidé, je vais me tourner vers le pétrole et on va essayer de faire de l'octane. Donc, il va falloir faire une grosse usine pétrochimique avec les hole crackers et tout ça. Et puis, on va voir ce qu'il nous manque pour faire ça. Je crois que je vais faire un pattern comme ça, des vitres. Ça va être plus haut, je pense, encore un bloc, un truc très haut de plafond, mais plat au-dessus. Peut-être même végétalisé avec de l'herbe au-dessus, des arbres.
Je sais pas, enfin un truc comme ça, ou un toit plat, ou légèrement arrondi pour faire comme une usine. Donc je vais agrandir tout ça. Je voudrais que ça soit assez large. On a de la place ici. J'ai déjà rempli d'herbe, enfin de terre, tout ça pour enlever l'eau. C'est assez large pour qu'on puisse mettre autour toutes les machines qu'il va falloir mettre. Je voudrais que ça soit auto-alimenté par deux turbines, peut-être deux plus, et puis qu'il reste de l'octane pour alimenter le futur applai. Parce qu'on va être obligé de faire applai ici avant de déménager vers la dimension. Parce que je crois que la dimension où on peut s'installer au final, elle vient bien plus tard. Donc je vais continuer à faire mon pattern. Mais il y a un truc à faire avant. Ça va être de. Je manque de fluorine. Donc il faut que j'augmente les abeilles. Il faut que j'améliore la rentabilité de ces abeilles. Alors j'ai envie de faire ça là. Je vais crafter ça. Ça n'a pas l'air trop dur. C'est du style. Facile. Deux circuits MV. Il en faut deux. Ouais, c'est bon. Et hop. Et normalement, un comme ça. Ouais! Ah, ben il y avait déjà du jus dedans. Ok, donc j'ai juste à casser ça. À mettre ça. Electric Stimulator. Normalement, ça devrait multiplier par 4. Il y a l'air d'y avoir assez d'énergie. Ça, on ne sait pas, il n'y a pas d'indication. Donc maintenant, il ne faut pas oublier d'aller remettre les tuyaux parce que quand on casse un bloc, ça désactive ça. Voilà. Voilà. Et normalement, je devrais avoir plus de cryolite, donc plus de fluorine à la sortie. Il a l'air d'être content. Ah, on peut mettre des trucs là-dedans. Ah oui, il faut mettre des. Ah, faut que je regarde sur le wiki. Faut faire un soldering iron, je me souviens de ça. Oh oui. Habituellement, c'est simple, soldering iron. Mais ça, c'était avant Gregtech. Maintenant, faut mettre dans le carpenter avec deux steel rods. Et un bitnick là. Oh là là, pour trouver des trucs maintenant là-dedans. Non, je crois qu'il faut le recouper un bâton en deux. Hop. Et voilà. Faut mettre autre chose? Ah, ça marche pas. Pourtant, il affiche bien la recette. Donc, ah si, ça y est. Oh, voilà. Alors, il faut mettre quelque chose dedans. La plaque et la diamantine. Ok. Normalement, je peux. Alors, on peut faire la grosse plaque. Si on fait CRQQI. Celle-là. Celle-là, on peut en mettre 4 dedans, si je me souviens bien. Il y en a une en 3, 2 et 1, je crois. Ça, c'est un seul. Peut-être si j'en mets 4, parce que c'est pour un diamantine, c'est une fois virgule 5. Si j'en mets 4, c'est peut-être fois 6 ou je sais pas combien. On va essayer celle de 4. On va essayer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est bien d'avoir tout ça bien trié. C'est cool. Et normalement, là-dedans, ça devrait me faire des longues rods directement. Sauf que ça va prendre une plombe. Et yes, on l'a presque. Ça, c'est que de l'électrum. Alors théoriquement, si on prend ça, électrique engine, électrique stimulateur, voilà. Oh, en plus il y est dedans. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment mettre 4. Super. Production. Ça augmente le decay, mais on s'en fout parce que de toute façon on met des qui pourrissent pas normalement. Enfin j'espère. Faut pas remettre après des des nouvelles princesses tout le temps. Sinon, c'est pas rentable. Allez. Ensuite, alors j'avais fait du chlorométhane avec du méthane et de la chloroquine, la chlorine. Et après, ça me faisait du diméthylchloro, machin, en rajoutant je sais plus quoi. Donc tout ça, c'est plein. Ah oui, du rosilicone. Tout ça, c'est plein. Donc faudra en faire deux autres pour faire la suite, à savoir la polyméthyldisolocytane.
avec de l'eau et le truc violet, la foncée. Et ça devrait me donner la poudre. Et en même temps, on aura un peu de diluted de... Pas mal même. Qu'on peut mettre dans un... Dans une distillerie. Pour refaire de l'hydrochlorique acide. Ouais. Ou de l'eau. Pour l'instant, on voyera. On va voir. Parce que j'ai déjà une fabrication d'hydrochlorique acide qui est assez bonne. Mais éventuellement, on pourra remettre une distillation. Donc, je vais quand même mettre la sortie, mais on mettra en mode fluid void. Donc, il faut que je fasse un autre. On va mettre trois autres de ce côté-là. Allez, c'est parti. Okidoki, almost there. Almost. Hop. J'ai pris de quoi en faire deux. Il manque plus que l'autre. Je crois que c'est du LV carrément. Ça, c'est du MV. Je vais mettre le minimum parce que j'ai pas envie que ça tourne à fond, j'ai pas besoin. Les deux entrées ici. La sortie hatch là, vers le bas évidemment. Vas-y. La sortie item, on va la mettre vers le bas aussi. Le contrôleur. Et on peut fermer. J'ai quand même oublié le hatch. Un détail. Maintenance hatch. Boum. Maintenance faite. Il est content. Ah oui, alors c'est quel... j'ai pas regardé. Numéro de programme 1. Ok. Here we are. Donc au moment on devrait être bon. On devrait avoir de l'eau. Voilà, et du diméthyle. Là, il va refaire le diméthyle manquant. Ça y est, c'est parti. Et je vais juste mettre. C'est pas un fluide. C'est pas fluide détecteur, c'est l'autre item détecteur. Voilà. Item détecteur. Combien il en contient là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va le remplir à 10, ça devrait suffire. Donc ça fait 640. 640. Voilà. 640. Et bien entendu, ça. Ici. Et inverté. Inverté. Et vas-y, ouvre-le. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est pas là qu'on peut inverter, c'est là, alors. Inverted. Boum! Parfait. Ça marchera dès que ça sera pas plein. Super! Ah, maintenant, ce truc-là, c'est pas fini. Faut le remettre dans un autre, mais c'est seulement du 30U. Et on fera du molten silicone rubber. On va attendre d'en avoir un peu pour avoir la quête. Faut en donner combien? 63. Ok. Et voilà une affaire qui tourne. Molten silicone rubber. Alors pour l'instant, on n'a pas besoin d'énormément. Donc faire un tank, c'est peut-être pas nécessaire. Toutefois, j'ai vu que le silicone rubber, ça servira plus tard dans les assembly lines, les assemblies complètement. On a peut-être intérêt à en stocker tout de suite, ça va en faire petit à petit. Éventuellement, on changera le voltage pour augmenter la production. Pour l'instant, on va rester raisonnable. And here we go. Donc, on va utiliser ça. Ranger tout ce bazar là qui revient à chaque fois dans mon inventaire. Et ça aussi, on va le mettre là, au-dessus. On va mettre la sortie sur le côté que nous enquiquine pas, ou sur l'autre côté d'ailleurs. Parce que les câbles sont là. Ok. Il faut juste un modèle de ça, là. Molten, c'est... Oh, attends, on va faire un truc. On va prendre une cellule. Une cellule. Viens là. On va bloquer déjà ça. Donc. Voilà. On va la reprendre. On peut mettre le câble tranquillou.
insert rouge, extract vert pour le mettre où on veut, sur une machine ou n'importe quoi. On est bon. Ouais, comme les autres. Il n'y a plus qu'à aller en dessous. Extraire en rouge. Ici même. Il doit y avoir un donjon en dessous, là, j'aime pas ce bruit. Et voilà. On va y mettre ça. Alors, depuis la nouvelle version, il y avait un truc galère avant, c'est qu'on pouvait pas rentrer quand il y avait... Maintenant, on peut. Eh, c'est super. Génial. Ça veut dire que là, j'osais pas fermer parce qu'il fallait que je me mette sur le côté pour l'attraper. Il n'y a plus besoin. Ah, faut que je mette des caches. 4 caches. Et je vais pouvoir cacher ça. Et on va commencer à être bien, là. Donc ça, c'est fait. Il veut 7 sulfures. Oui, on va les prendre dans le coffre. Et puis, je vais prendre de quoi faire des plaques. Pour l'instant, je ne vais pas automatiser. Parce que ça va assez vite de les faire à la main. On va prendre le moule de plaques. Et vas-y. Boum. Et on aura notre quête. Parfait. Ensuite, il ne reste plus grand-chose. Il reste ça. Yuyu Matter, il va falloir s'y mettre. On va peut-être en avoir besoin pour les graines. Ça accélérerait les choses de multiplier les graines. Mais je crois que c'est très très lent, la Yuyu, au début. Il faudrait faire du scrap, en fait. Il faudrait que le trop-plein, plutôt que de le voider, on l'envoie dans des scrap machines. Et faire le maximum de scrap. Il faudrait faire une usine à scrap. Ouais, bon. On verra après. Puis je vois aussi qu'il y a les kinétiques avec le vent, là. Ça pourrait être pas mal d'avoir un peu de jus avec une grosse batterie. Surtout que ça peut s'upgrader assez facilement et aller assez... et faire pas mal d'énergie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire des grandes tours de 160... parce qu'on est à 64, il fallait à 160. Ça va faire une tour de 100 mètres de haut avec un ventilo là-haut. Mais bon, ça peut valoir le coup. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le Super Sieve. Ça, c'est... Non, c'est ça, le Super Sieve. Alors, ça, c'est quoi, l'autre, là? Hot Slurry. Bah, je sais pas, il faut faire autre chose avant. Ah, il faut faire le cracker. Ah oui, c'est ça, c'est le truc qu'il faut craquer. Pour avoir plus de bauxite et tout ça, on n'a peut-être pas besoin de faire ça pour la bauxite, mais de toute façon, il faut faire un cracker, puis il faudra en faire un petit peu à la main pour valider la quête. Ça, c'est un super tank, mais moyen, de 8000. Bon, on peut le faire. Alors ça, inventory panel, je vais en faire un, mais j'ai pas trop... Je sais pas si ça va nous... Je crois qu'on va passer à apply directement. Ça va être plus simple. Enfin, plus simple, c'est une façon de le dire. Et la quête est validée. La quête pour le styrène butadienne, c'est quand on va faire ce qu'il faut faire du... Il faut du butène, etc. On va avoir du nafta avec le pétrole. Pour l'instant, j'en fais pas. Donc, c'est vraiment ça, la suite. Il faut que je prépare mon usine de pétrole. Ah, il y a un truc que je voulais faire. On a peut-être le temps. Je voudrais tester la grosse ruche électrique. Ça serait pas mal de mettre les ruches électriques dans l'usine de pétrole et mettre les abeilles qui vont faire le pétrole là-dedans. How to be ça. Ah, non, c'est pas comme ça, c'est ah. C'est très cher, ça. Pas tant que ça. Ça se fait. À mon avis, ça peut se faire. Parce qu'il n'y a plus celle de Gendustrie, donc on peut faire ça à la place. Alors évidemment, on peut rentrer énormément de voltage. Mais d'après ce qui est dit ici, on peut stacker des frames dedans pour améliorer déjà. Jusqu'à UV voltage. But the base usage is... Voilà, donc si on met du HV, on va déjà être pas mal. Après, ça dépend du nombre de cartes qu'on met, etc. J'imagine au bout d'un moment, ça bouffe trop. Mais déjà, à la base, on pourrait mettre ça, plutôt que de mettre des grosses ruches qui vont être pénibles. Et puis, s'il faut une fleur à côté, ou je sais pas, ou peut-être qu'on peut leur mettre autre chose que des fleurs, peut-être, pour que ce soit plus simple. On remarque qu'il suffit d'une fleur qu'on cache derrière. Et puis basta, il la verra. Une fleur dans le noir, toute seule, au milieu. Ça peut être drôle.
Ouais, on fait la pierre, avec de la pierre. Ah oui, c'est bien ça. On fait rock, on met rock comme. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais préparer. Ah non, j'ai dit qu'on essayait de crafter ça. Bon, je vais essayer de tout préparer ça. Ça n'a pas l'air compliqué. Je crois que j'ai à peu près. Bon, il faut refaire ça, évidemment. Je vais voir ce qui me manque. Il faut des proven from. Rien que ça. Et d'une. Et deux. Il me reste assez pour en faire une autre, mais il faut que je recharge encore. Ah! Faut vraiment que je m'améliore mes baguettes, moi. Faut que je me remette à Tomcraft. Et quatre. Normalement, on a tout. Non. On peut sauter directement. Ouf! C'était où? C'était pour faire quoi? C'était pour faire ça. Alors, normalement, les 4 apatites. Les 4 proven from. Et plutôt là. Et puis le Sealed au milieu. Et puis une ruche pour lancer le biniou. Ouais! Et voilà, la dernière sieve. Alviri, je veux dire. Alviri sieve. Il ne me manque plus que deux bras. Et on peut tester cette ruche. Ah, à chaque fois, j'oublie qu'à ça, arrête de marcher. Tu fais des kilomètres pour rien. Alors, les bras, c'est un peu complicationnant parce qu'il faut déjà deux pompes. Et après, deux bras. Et après, et voilà. On va alimenter ça. On va ranger déjà. On va alimenter ça avec un HV, comme ça on va être tranquille. Voilà. Hop. Ça va maintenant, ça va vite. Le casing qui va bien. Et hop, on va faire un petit HV. On va prendre, on va ranger ça. Et ça qui est encore venu sur moi. On va prendre un peu de jus, juste ici. Boum. On va remettre tout en route. Voilà, il s'est remis en route direct. Super. J'adore, tout est plein. J'aime bien quand tout est plein. Et on va juste faire un petit test, on va se mettre au plein milieu de la pièce, on s'en fout, c'est juste pour tester. On enlèvera ça après. Donc théoriquement, ça prend jusqu'à 32 000, mais on peut faire marcher avec moi. No queen, effectivement. Donc il faut mettre une queen là-dedans. Une queen qui queen, alors du pétrole, c'est que c'est. Je sais que j'en ai. En plus, c'est bien, il faut les multiplier, ça va être parfait. Alors non, c'est pas là-dedans. Faut que je les retrouve. Je sais que j'en ai. Ah oui, elles sont là. Ok. Refined, distilled. En fait, les plus importantes, c'est les oily et les refined. Parce que si on regarde bien, celles qui font ça. Les refined, elles ont 10% de chance de faire des oily. Alors que les autres, les oily, elles ont que 5% de chance, puis elles font des holcombs qui font rien. Et les autres, c'est les oil tout court qui font ça et qui c'est pas mal. Donc il y en a deux sortes. Alors, on va prendre d'abord les refined. Je vais garder un drone comme ça. Et on va. Alors je vais pas mettre ça, ça va me piquer à mettre ça à la place. Mais arrête et. PNJ, ils arrêtent pas. Les émeraudes. Posez deux PNJ et c'est bon, quoi. Vous avez des émeraudes à vie. Alors, il va la transformer. Et il me dit qu'il n'y a pas. Ah, no flower. Parce qu'elle mange là. Évidemment, là où je me suis mis à l'intérieur. Mais c'est ce que je voulais vérifier si ça marche à l'intérieur. Mange. Ah oui, parce qu'elle veut un roc. Un roc, que dis-je? Une péninsule. Je crois que ça marche, non? Ah, pas absolument que ça soit une cobble. Ah bah j'en ai de la cobble au fait. Si je mets ça.
Donc ça, c'est de la cobble chiselée, c'est pareil normalement. Ah bah voilà, il est content. Oh, c'est instantané, dis donc. Ça va pas énormément plus vite, hein. Parce que c'est pour que ça aille plus vite, il faut mettre des trucs dedans. Alors, il y a des cartes. Mais je sais plus ce qu'on peut mettre comme carte. Alors, normalement, j'ai eu ça. Il n'en donne pas, par hasard. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Du thé jaune. Turbo Legendary Secret T-Collection. Oh! Claim. Ah si, on a des frames upgrade. Avec ça, on peut faire des choses. On peut faire accélération upgrade. Voilà. C'est cher. Ah, il faut quand même des work... Ah, mais enfin, ça va. Alors, je sais pas si on les stack, parce que je crois qu'on peut en mettre plusieurs. On doit pouvoir les mettre là-dedans, les upgrades. Ah, on peut mettre 4. Mais je sais pas si on peut les stacker les unes sur les autres. Si on peut, je sais pas s'il faut 1 ampère à chaque fois. Parce que sinon, ça va coûter ta l'échelle. Mais on peut commencer à faire, par exemple, la petite. Alors, on va essayer. Bon, tout compte fait, on va essayer celui qui prend 2 fois 512. Parce que je me dis qu'après tout... Bon, ça, on fait 6. Ah non, il y a écrit maximum installé une. Donc, on peut en mettre qu'une. Ok, donc c'est pas... Mais bon, ça fait quand même 8x. C'est pas mal. Donc, on va tester comme ça. On va enlever ça. On va mettre les deux comme ça. C'est le bon, ça? Ouais. On va les relier. Cutter. Ça fera 2 ampères. Et on va y mettre un machin comme ça. Et on va remettre du jus là-dedans. Et il dit qu'il est content. Est-ce qu'on peut en mettre une? Non, on ne peut pas en mettre deux. Bon, bah c'est pas si mal. 8x. Alors, je sais pas si c'est la production. Oui, c'est la production. Ça va pas plus vite, mais c'est la production. On va voir ce qu'il est capable de faire. Quoique, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose. Quoique, j'ai à l'idée, c'est plutôt la production upgrade que j'aurais dû faire. Et il y a un truc qui aurait été bien, ça serait un système pour l'éteindre automatiquement. Mais en fait, c'est une machine GregTech maintenant, donc on peut mettre des cartes, des covers. Et si on met un coffre de sortie, ou une carte qui expulse dans un coffre, comment je pourrais faire? Et si le coffre est plein? Oh, mais je peux pas renvoyer si le coffre est plein. Oh, faut faire un truc de redstone compliqué, avec un comparateur et tout. Non, c'est pas bien ça. Puisqu'elles donnent leur production que quand elles ont fini le tour, peut-être qu'il faut mieux qu'elles aient la vie courte alors, plutôt que de mettre des accélérations upgrade, enfin je sais pas, et puis mettre des productions upgrade. Faudrait que je fasse des tests. Alors, doesn't require automation upgrade quand on fait du breeding, mais pourquoi il remet pas ça ici? Not daytime, ah. Oui, parce qu'elle est pas... C'est une requis encore. Elle n'est pas encore devenue... Oh. Ah, détail. On remarque peut-être que si je dors même à l'intérieur, ça marche. Non, ça m'étonnerait. On va essayer. Not bright enough, ouais. Il y a toujours quelque chose. On va la faire tourner un peu. On va la mettre... non, pas là. Ça, c'est occupé. Mais tout est occupé. Ici peut-être. Ouais, c'est bon. Bon, ça va être long pour tester parce qu'en fait, j'avais pas les caractères comme j'ai maintenant, donc l'abeille elle est pas, elle marche pas la nuit, etc. Donc je pourrais pas tester ça, mais je vais crafter quand même la production upgrade. C'est pas si cher. Faut juste que je refasse des trucs comme ça, mais j'ai déjà fait ça, des plaques de plastique. C'est un peu long. Enfin, je vais en refaire d'autres. Et puis il faut l'automation pour que ça reprenne la princesse automatiquement sans avoir à sortir et rentrer à nouveau. Voilà, et je pense que c'est pas mal, parce que ça, ça bouffe beaucoup, mais à mon avis, ça sert à rien, c'est juste pour qu'elle vive moins vite, ça accélère l'abeille, mais est-ce que ça accélère aussi la production? À tester, faut que je teste ça. Voilà, donc je vais construire le bâtiment pour le pétrole,
Et puis on va commencer au prochain épisode à mettre en place tout ce qu'il faut, les différentes machines, les distillations, oil cracker et compagnie, compagnie. Mais il faut que je fasse un bâtiment assez grand parce que j'ai l'impression qu'il faut beaucoup craquer, redistiller. Peut-être pas autant que dans Greg Block, mais à mon avis, pas mal quand même. Donc, ouf. Moi, j'aime bien ce look-là. Ça peut être pas mal à terme, mettre des espèces de verres un peu compliqués, là. Peut-être avec un petit tour. Je vais voir. Et à l'intérieur, je mettrai peut-être des factory blocks avec des trucs un peu plus... Bon, on va voir. Avec un sous-sol et tout, qui rejoint pour les tuyaux. Parce qu'en fait, j'ai les tuyaux qui passent juste en dessous, là. Donc, si j'ai un sous-sol dans lequel je récupère les tuyaux, on est bon. Et comme je vous ai dit, assez grand, je vais essayer de prévoir suffisamment grand. Voilà, donc j'ai un gros travail à faire, ça risque d'être un peu long. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.